Jeunes gens, prenez vos positions. Tout retardataire aura affaire au principal. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Gabriel Agrest me choisisse pour faire le tour du monde avec Adrien. C'est vrai que je parle presque toutes les langues, mais je crois que c'est ma sincérité qui l'a le plus touché. Tu vas faire le tour du monde, mon pote? T'as la meilleure excuse pour louper ma fête d'anniv. Fais vite, Marinette! Adrien n'a pas l'air d'aller bien. Et j'ai l'impression d'être la seule à le voir. C'est parce que tu l'aimes que tu le vois, Marinette. Je dois lui dire avant qu'il ne parte. Oh, je vais encore faire n'importe quoi. Je suis la grenouille, il pleut, il mouille. Je suis la grenouille et j'ai pas la grenouille. Si je ne prends pas le risque maintenant, je ne le prendrai jamais. Bien dit, Marinette. Adrien? Demoiselle Dupin-Cheng, puisque vous nous faites enfin l'honneur de votre présence, placez-vous à côté d'Adrien. Vous remplacerez Lila, qui vient de nous expliquer qu'elle souffre de ballophobie. Je crois que c'est passé, je me sens beaucoup mieux. Non, je ne prends aucun risque avec les phobies de mes élèves. Adrien, je... Ouais, je t'ai eu, mon pote. Adrien, aux oubliettes. Aux oubliettes? Les oubliettes sont situées derrière le camp adverse. Vos équipiers devront vous toucher pour vous libérer. Ah, d'accord. Marinette, aux oubliettes! Dois-je vous rappeler que le but du jeu consiste avant tout à éviter la balle? Oh. Adrien, tu vas vraiment partir plusieurs mois? C'est ce que mon père a décidé. Si tu savais à quel point j'en ai assez de tout ça. Les photos, les tournages, ces gens qui m'admirent alors qu'ils ne me connaissent même pas. Ces pubs qui n'ont aucun sens. Et maintenant, je dois abandonner mes amis pour voyager pendant je ne sais pas combien de temps. Avec Lila en plus. Pourquoi tu ne leur dis pas que tu n'as pas envie de le faire? Ils ne comprendraient pas que je me plaigne. Pour eux, ce qui m'arrive, c'est génial. Je te comprends, moi. Merci, mais t'es bien la seule. Trouve le courage de parler à ton père, Adrien. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est pourtant mon père et je l'aime et je sais qu'il m'aime. C'est tellement, tellement frustrant. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un et de ne pas réussir, comme si une sorte de force invisible t'empêchait d'agir? Tout le temps. Adrien, je... Monsieur, puisque c'est presque la fin du cours, est-ce qu'on peut arrêter plus tôt exceptionnellement pour avoir le temps de dire au revoir à nos amis? Super idée! Mon pote, t'as intérêt à m'envoyer des sons des endroits où tiens. Et des photos des plages où tu nageras. Et des couchers de soleil. Adrien, vous méritez tant de voir enfin la beauté de notre monde. Vous avez raison, j'ai de la chance, mais vous allez tous me manquer.